Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, coloriage encore, oui. J'avais encore envie de faire du coloriage. Mais aujourd'hui, non, j'ai pas fait mes chinoises. J'ai voulu commencer à colorier, vous savez, le nouveau aussi livre de coloriage que j'avais acheté il y a quelques jours, enfin quelques jours, il y a une semaine ou 15 jours. Sur le steampunk, voilà. Et donc j'ai voulu commencer et j'ai voulu, je vous parlais hier. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai mise hier parce que il y avait presque pas de vues et un commentaire. Donc je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. C'était la fin de du coloriage de la chinoise à l'aquarelle. Donc je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Donc je vous invite à aller la revoir, aller la voir. Donc je vous parlais dedans, donc à la fin, que j'allais essayer de faire avec les crayons de couleur aquarelle, mais j'allais m'en servir à sec, donc pas en aquarelle, en crayon de couleur normal. Donc c'est ce que j'ai fait cet après-midi. Je m'en suis servi comme d'un crayon de couleur normale. Donc sur mon livre de coloriage steampunk. Bah, impeccable. Voilà, ça va très très bien. Les coloris sont très bien aussi. Quand je fais quelques mélanges de couleurs, ça va. Donc rien à dire. Voilà. Bon, alors j'ai un souci, j'ai fait tomber un de mes crayons. Alors c'était le noir. J'avais fait tomber et bien sûr la mine s'est cassée. Je l'ai taillé, mine cassée. Je l'ai retaillé, mine cassée. Donc du coup, il a rétréci. Donc faut éviter de faire tomber ses crayons parce qu'ils m'ont l'air fragiles. Du coup. Parce que du coup, bah, il a rétréci de 2 cm. Mais bon, la prochaine fois, je ferai attention. Sinon, bah, tout va bien. Donc là, je ne l'ai pas tout à fait terminé, puisque c'est une page entière avec un dessin dans le fond et tout. Donc, il n'est pas complètement terminé. Mais bon, je terminerai, je pense, demain ou après-demain, je verrai. Mais bon, j'aime déjà bien. Là, j'ai fait j'ai pas choisi. J'ai fait le premier dessin du livre. C'est bah, c'est d'ailleurs le dessin qui est sur la couverture. Voilà. Donc, vous verrez, je vais vous mettre au moment du montage la photo de la couverture. Et il y aura donc le dessin. Sinon, ben, rien de nouveau. Voilà. Demain, je ferai soit du DP ou alors je finirai mon coloriage. On verra ce qu'on fera. Voilà. Allez, je vous laisse visionner la suite de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à mettre des petits pouces. Et je vous fais maintenant des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.